Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, chers panélistes, dear followers on our social medias, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle normalité virtuelle, and a warm welcome to you all to this bilingual online edition of the Climathon 2020. J'ai l'immense plaisir et le privilège de vous accueillir ce matin pour cette troisième édition du Climathon en Suisse romande qui se déroulera, vous l'aurez compris, en version bilingue, autant en français qu'en anglais. Je m'appelle Julien Beglen-Verazzi et en tant que Senior Community Catalyst au sein de l'Impact Hub à Genève, qui est un réseau national et international servant de laboratoire d'innovation et qui rassemble une communauté dynamique, des entrepreneurs engagés qui essayent ensemble de permettre cette transition vers un avenir plus inclusif et respectueux. C'est un privilège de me retrouver ici devant vous ce matin pour l'inauguration et la cérémonie officielle d'ouverture du Climathon dans son édition 2020. Globally, as all traditional indigenous wisdoms around the world remind us, we do not inherit the earth from our ancestors, we merely borrow it from our children. Today, sustainable development is no longer an option, but a duty, and it is neither a partisan debate. We need to make our planet great again. Around 5,000 citizens across the world will join forces and take action this weekend as part of EIT Climate Kicks Climathon. The program unites policymakers, entrepreneurs, youth, business leaders, hackers, academics, students, and professionals in tackling the defining climate challenges of their cities, from urban planning to waste, circular economy, green infrastructures, and all those different aspects, be it from sustainable food and mobility, that this year's edition of Climathon, of course, will be hosted completely online and will be made of 100 ideathons events happening simultaneously across 6 continents. Many of the teams are determined to bring to life ideas that can contribute to a sustainable recovery from the devastating COVID-19 crisis. Plus localement, Genève est le premier canton suisse à avoir adopté une loi sur l'action publique en vue d'un développement durable. C'était en 2001 déjà et elle fait aujourd'hui office de référence. Ces principes ont tant imprégné les esprits que depuis 2012, le développement durable est désormais inscrit dans la Constitution genevoise. Un travail important de mise en cohérence avec la stratégie pour le développement durable de la Confédération a également été accompli. Et pour cette troisième édition consécutive, le Climathon de Genève est organisé cette année par Impact Hub Genève et Éclosion, qui accompagnent les organisations dans cette transition écologique. Aujourd'hui, le Climathon vise à atteindre ses objectifs spécifiques en rassemblant des citoyennes et des citoyens, des actrices et des acteurs du changement provenant de secteurs très différents, mais dans 3 axes principaux. Le pôle transport, aujourd'hui, avec un défi proposé par l'aéroport de Genève qui consiste à imaginer et à interroger le futur de la mobilité. Un pôle éducation, un défi proposé par l'Université de Genève afin de développer des approches novatrices en temps de distanciation sociale. Ainsi qu'un pôle énergie, défi proposé par l'Office fédéral de l'énergie afin de promouvoir de nouvelles technologies connectées. Alors, évidemment, les prochaines 24 heures s'annoncent palpitantes et passionnantes, mais afin de vous donner quelques détails sur le pourquoi et le comment, j'ai l'immense plaisir de donner d'abord la parole à l'un des co-organisatrices de ce Climathon. J'aimerais accueillir maintenant Christelle Giraud pour sa présentation. Christelle, si tu veux bien nous rejoindre. Bonjour Julique. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui. Donc, en tant qu'associée chez Éclosion, Julique l'a dit, nous accompagnons les entreprises et les acteurs publics à l'heure de la transition écologique.
Nous sommes convaincus que la co-création est un outil essentiel pour faire face au changement climatique. Trouver de nouvelles solutions, imaginer des récits pour des futurs souhaitables, c'est ce que nous essayons de faire et c'est ce que nous voulons faire grâce au Climathon. En Suisse romande, le Climathon a pris vie en 2018 à Lausanne, puis à Genève en 2019, à Sion et bientôt à Fribourg. C'est avec plaisir que nous sommes associés avec Climate Kick pour mettre en mouvement cette co-création citoyenne. Nous offrons donc un espace aujourd'hui digitalisé et nous sommes ravis car nous aussi nous innovons, tout comme les participants qui vont prendre part à ce Climathon durant 24 heures. Nous innovons avec un outil en ligne, avec un espace de co-création pour les citoyens et les citoyennes de tous horizons, pour les entreprises et pour les acteurs publics. Donc je remercie vivement ici les acteurs Impact Hub, toutes les personnes qui se sont mises en mouvement chez Éclosion et ailleurs. Merci mille fois et je me réjouis de voir les prochains résultats demain. Voilà, merci beaucoup et bonne co-création à vous tous. Merci infiniment Christelle. On se réjouit toutes et tous de partager ces prochaines plus de 24 heures en fait avec non seulement les personnes qui participent à toute cette organisation, mais aussi toutes les personnes qui nous suivent en ligne, toutes les hackeuses, les hackers qui vont se concentrer sur ces différents challenges. Mais pour nous expliquer un peu plus non seulement la vision, mais aussi la mission, j'ai le plaisir de donner la parole à Gilly du Impact Hub Genève. J, si tu veux bien rejoindre sur scène. Chers participants, chers participantes, je m'appelle Thierry et je travaille avec l'équipe opérationnelle au sein d'Impact Hub Genève. Au nom de l'équipe Impact Hub Genève, je vous souhaite la bienvenue. Merci à Christelle pour cette très belle introduction de contexte Climathon. Ici, je souhaite partager avec vous pourquoi nous organisons la deuxième édition consécutive de Climathon à Genève en tant que co-organisateur. Comme ce qui est expliqué par Julien au début de son introduction, Genève est le premier canton suisse à avoir adopté une loi sur l'action publique en vue de développement durable. Actuellement, existent déjà de nombreuses et de belles initiatives au sein de canton et la ville en faveur du climat. Comme toutes ces initiatives, tout cela commence par le premier pas. Le Climathon nous donne cette opportunité. Une fois par an, il permet à tous les citoyens et citoyennes comme vous, actuellement, derrière vos écrans, de ressembler, agir, réagir, prendre une action concrète, partager vos idées et vos savoir-faire en faveur du climat. Impact Hub Genève est un espace de coworking, une communauté d'entrepreneurs, un laboratoire d'innovation. Notre mission est basée sur trois axes: inspirer, connecter, habiliter. Le Climathon correspond parfaitement à notre mission. Grâce aux intervenants et experts dans les différents secteurs et domaines d'activité, nous espérons que vous, les participants, vous puissiez inspirer de nouvelles idées, stimuler votre créativité. Climathon est aussi une belle occasion de rencontrer à la fois les experts dans le domaine de durabilité, aussi de rencontrer les autres participants venant de différents secteurs. Nous espérons que lors de formations de groupe, vous ferez de belles rencontres, découvertes et de surprises. Bien qu'en raison de mesures sanitaires, vous ne pouvez pas rencontrer et vous connecter dans l'espace physique, nous espérons qu'en début de l'année prochaine, une fois que les conditions permettent, nous pourrons organiser une rencontre physique au sein de Impact Hub. En termes d'habilité, les équipes distinguées bénéficieront des différentes formes d'accompagnement à la fois proposées par notre partenaire Éclosion et par nous-mêmes. À la fin, je voudrais dire avant tout, le Climathon, c'est
un moment de partage. C'est une expérience humaine enrichissante et de solidarité. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux plus de 20 facilitateurs, bénévoles et nos membres derrière l'écran qui nous suivent et qui nous soutiennent dans cette aventure. Chers participants, chères participantes, je vous souhaite un beau voyage de héros de 24 heures en faveur du climat. Merci beaucoup. Julien, je te donne la parole. Merci beaucoup, G, pour cette introduction très inspirante, pleine de courage aussi. Il va nous en falloir à chacune et à chacun. Back in English, but also back in time. In 1987, in the Brundtland Report, the United Nations gave the following definition. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet theirs. Climate change impacts all the regions of the globe, and it is organized in Geneva today, but also in about 150 other cities in the world, and for 5,000 plus participants, this is a unique opportunity to take action and make a difference. For the next 24 hours, citizens from all walks of life, entrepreneurs, students, professionals, academics, accompanied by experts and coaches, will collaborate and find solutions to the challenges offered by our partners. To delve a little bit more into the technicalities, but also into the spirit of the Climathon, I have the pleasure and the privilege to give the floor now through Zoom to Fabienne Long, the Climathon City Manager from Climate Kick. Fabienne, it's a pleasure to welcome you today with us. Would you like to introduce yourself, please, and tell us a little bit more about the whole spirit behind the Climathon? Gonna turn it off again later on. Let me just, sorry for the technical difficulties in that. Or whatever, I think it's not too bad, but thanks so much for introducing me. I'm really happy to be here and also welcome you in the name of Climate Kick and the Global Climathon team, who are like all coordinating these events that are happening globally. Just a few words about Climate Kick. So we are the EU's main climate innovation initiative, working to accelerate the transition to a zero carbon and resilient world by enabling systems transformation. So we bring together more than 400 partners from business, academia, the public and nonprofit to create networks of expertise through innovative products, services and systems that are developed and brought to market and that can be scaled up for impact. And one of these products that we actually have as Climate Kick is the Climathon that can be experienced now. So yeah, as you've already heard, we have a lot of events happening now at the same time. So I think what is interesting, so currently we have a Climathon happening in Pasig in the Philippines. Even though they were just struck by a typhoon, they're still going ahead with it. And there's still people trying to find solutions for all the climate related problems they have. We have just a Climathon that started in Accra in Ghana. And in a few hours, we also have Mexico City joining us. So this is really to show that, people being part of a Climathon, they're not alone. It's really a movement of people that really want to make a change. And also something that I'd like to highlight for this year that is interesting. So we're actually planting 10 trees for all the ideas that people come up with and upload to our website. I'm just really looking forward to see all the great ideas that come up in these events, and also kind of to remind you, so like this is just like this is one weekend where you're working on your ideas, but this is not the end, so it's not over. So
we actually also have the Climate Fund Awards where you can apply and win more support for ideas. So really hope that some of these ideas that will be developed in Geneva will also make it to the Climate Fund Awards. And yeah, so I'll just want to end with like kind of for everyone participating, wishing a lot of energy and a lot of kind of good ideas. And yeah, looking forward to everything that will emerge. Thank you so much. Thank you so much, Fabienne, for those challenges. Mais puisque nous sommes à Genève, ici, le siège des Nations Unies, la ville et le canton ont désormais commencé à mettre en œuvre justement non seulement des idées, mais aussi des solutions afin d'assurer la transition vers une société durable et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. À l'époque, ce document, qui constitue également la réponse du canton de Genève aux 17 objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable, a été adopté par la communauté internationale en septembre 2015. Pierre Angulaire de l'aménagement du territoire, le plan directeur cantonal 2030 pose les grands principes du développement territorial pour ces deux prochaines décennies. Alors pour questionner la ville, réfléchir ensemble et expérimenter autour des enjeux urbains à l'heure du changement climatique et du déploiement de la ville intelligente et désormais connectée, j'ai l'immense plaisir de donner la parole à M. Rémi Zinder, directeur du service cantonal du développement durable de l'État de Genève, afin de nous donner quelques mots sur cette vision, sur cette stratégie et aussi sur le positionnement et notamment sur les différentes initiatives au niveau local. Monsieur Zinder, bonjour, bienvenue, je vous donne la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. Vous m'entendez ? C'est tout bon ? Oui, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honoré de pouvoir participer à cette cérémonie d'ouverture aussi du deuxième climaton qui se déroule donc à Genève, malgré les conditions évidemment qui sont particulières. Je voulais tout d'abord remercier et féliciter aussi les organisateurs. Je pense notamment à Félix Stelly et à Gilly avec qui j'ai eu plusieurs contacts et Impact Hub. Il y a évidemment d'autres personnes qui ont contribué à ce que cet événement, malgré la situation, se déroule. Donc bravo à tous. Et évidemment, je me réjouis, comme tout le monde, de pouvoir découvrir les résultats au bout de 24 heures de marathon qui s'annonce évidemment passionnant. Juste au niveau du canton, donc je représente effectivement le canton de Genève et pas la ville. Et j'ai une petite correction à apporter à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'objectif que s'est fixé le canton en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc depuis décembre 2019, le canton de Genève, comme vous le savez, a déclaré l'urgence climatique et a renforcé ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre et vise désormais de réduire les émissions de 60% à l'horizon 2030 et non plus 40% comme c'était avant, d'ici, donc par rapport à 1990, et de viser la neutralité carbone en 2050. Donc ce sont des objectifs évidemment extrêmement ambitieux. Pour donner un ordre de grandeur, on passe à peu près de 10 tonnes de CO2 par personne en 2012 à moins d'une tonne en 2050. Donc on doit diviser par 10 notre empreinte carbone, ce qui est évidemment un enjeu extrêmement important et de nombreux défis qu'il s'agira de relever. Comment est-ce qu'on va se déplacer dans le futur? Comment est-ce qu'on va se chauffer? Comment est-ce qu'on va consommer? Toutes ces questions-là doivent être évidemment être discutées. Il faut qu'on trouve des solutions. Il y a, comme je l'ai dit, des défis à relever. Il y a des choix qui doivent être faits, des choix de société, des choix institutionnels notamment. Si on vise un changement de société, on se rend bien compte de passer de 10 tonnes à une tonne, ce ne sont pas des mesurettes qui vont permettre de le faire, mais vraiment plutôt une rupture par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. On voit par exemple que la crise sanitaire au plus haut du confinement au mois d'avril a permis de réduire à Genève environ de 25 à 30% les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est largement insuffisant par rapport à l'objectif qu'on vit. Ce
se poursuivre. Ce n'est pas du tout cet objectif-là que le canton vise. Mais c'était juste pour montrer, pour illustrer en fait le défi qui nous attend. Je préciserai encore, peut-être le message que j'aimerais faire passer, c'est que cet objectif de réduction qui était fixé donc, par le canton, ce n'est pas un projet de l'État de Genève. Nous sommes tous concernés. C'est un projet collectif. Ça, je pense que ça, c'est vraiment un message important à faire passer. Nous sommes tous à notre niveau concernés et devons contribuer à l'atteinte de cet objectif, que ce soit les associations, que ce soit les entreprises, les citoyens, les citoyennes, que ce soit les communes, évidemment, que ce soit l'État et d'autres. C'est seulement ensemble, si nous travaillons, si nous avançons ensemble dans ce changement de société, que nous arriverons à atteindre l'objectif. Le climaton, dans ce contexte-là, a évidemment un rôle important à jouer pour faire émerger des solutions d'avenir, des solutions stimulantes. Je pense que c'est un des objectifs justement de cet événement. Donc je remercie tous les participants qui prennent du temps aussi, 24 heures, c'est pas rien, c'est un long effort aussi à produire pour pouvoir justement montrer dans quelle direction, quelles seraient les solutions que nous pourrions envisager tous ensemble, quelles sont les actions que nous pourrions mettre ensemble pour contribuer à cet objectif. Donc aujourd'hui, c'est parti pour 24 heures, voire un tout petit peu même davantage pour ceux qui sont déjà présents aujourd'hui à travers ce Zoom. Donc le message que j'aimerais aussi vous faire passer, c'est de vous souhaiter à toutes et tous un bon climaton. Faites-nous rêver avec des idées stimulantes et décoiffantes qui sont à la hauteur des objectifs climatiques. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite évidemment une très belle journée et une très belle nuit également pour tous les courageux qui s'engagent dans ce défi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi pour ces quelques précisions. Vous l'avez dit, c'est un effort collectif. On ne peut pas le faire tout seul. Et on l'a vu et on va maintenant le voir avec davantage de détails, ces différents défis s'axent autour de différents pôles. Alors peut-être, on peut passer maintenant à la présentation des différents défis par leur porte-parole, le temps de quelques minutes, afin de découvrir davantage et dans les détails en quoi consistent ces différents challenges. J'aimerais d'abord donner la parole à M. André Schneider de l'aéroport de Genève, qui est le CEO, afin de nous présenter le défi qui a été proposé par notre partenaire. Monsieur Schneider, vous avez la parole. Bonjour tout le monde et aussi mes remerciements aux participants et aux organisateurs de ce Geneva Climaton de 2020. J'aimerais d'abord commencer avec essayer de répondre à la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce que fait l'aéroport pour participer au Climaton et quels sont les résultats que nous cherchons? D'abord, il faut quand même reconnaître que Genève Aéroport s'est toujours donné comme objectif de réduire autant que possible l'impact sur l'environnement. Et d'ailleurs, nous avons un objectif d'être déjà vers 2035 neutre point de vue émission CO2 par rapport aux opérations de l'aéroport. Mais il est important d'imaginer le futur. Nous sommes une infrastructure qui offre un certain service, mais nous sommes plus que conscients que nous sommes dépendants aussi de l'évolution de la demande et des attentes. De l'autre côté, nous fêtons nos 100 ans cette année, et je peux vous dire, c'est une fête assez particulière quand on voit qu'on est dans cette crise depuis mars, et l'impact sur l'aéroport est très, très important, car nous avons pendant des longues phases absolument pas de trafic. Mais il est important quand on fête un anniversaire comme ça qu'on ne se limite pas que regarder sur le passé, mais on regarde vraiment vers le futur. Et encore plus, comme nous sommes une plateforme intermodale pour nos passagers qui veulent changer du transport individuel ou du transport public vers le transport aérien, il est important de réfléchir ce que sont les attentes et la demande pour le futur. Ce Climaton, qui serait une de nos dernières activités de nos festivités de 100 ans, ou ce qui en reste de ces festivités, parce que vous pouvez vous imaginer que beaucoup de choses ont dû être annulées, marquera la fin d'une année de se souvenir d'où on est venu,
mais aussi avec une vision résolument vers le futur, car c'est là que nous devons aller, et ceci malgré la crise actuelle, et aussi parce que nous restons convaincus que nous en sortirons. Et là, nous avons vraiment besoin de vos inspirations, de vos idées, de vos propositions pour nous aider à former cette image du futur vers lequel nous voulons aller. Alors, c'est quoi notre défi? Je me suis permis de traduire le titre de l'anglais en français. Ce n'est peut-être pas très parfait, surtout venant d'un Suisse-Allemand qui ne parle pas parfaitement le français. Mais quelque part, on veut vous inviter de s'imaginer les interactions entre les humains, entre les continents en 2050. Et je pense que derrière ça soulève plusieurs questions très intéressantes. D'abord, c'est quoi notre horizon d'intérêt d'un point de vue géographique et ceci autant social qu'économiquement? Va-t-il devenir plus petit et se limiter à notre environnement proche ou allons-nous maintenir, voire agrandir notre intérêt pour le monde et ses régions plus lointaines? Et là-dedans, allons-nous vers un monde d'échanges virtuels comme nous sommes maintenant, ou peut-être même déshumanisé, parce que de plus en plus des interactions gérées par des ordinateurs, ou allons-nous garder le besoin d'un échange direct et physique? Et en suivant les réponses à ces questionnements, comment allons-nous alors articuler ceci pour le rendre durable, et quelle place, mais aussi quelle nécessité pour l'aviation ou le transport aérien? Finalement, les réponses se trouveront dans des nouvelles technologies ou dans un changement des attentes ou de la demande, ou peut-être les deux. Vous voyez, il y a beaucoup de questions à se poser et je me réjouis déjà beaucoup de vos réponses, de vos idées que vous allez apporter. Car ceci, comme je l'ai déjà dit, serait la base pour notre imagination de notre futur et finalement comment on va s'articuler, parce que dans la vie, on apprend très vite que d'aller se poser ces questions dans un cercle trop petit risque quand même de développer un certain niveau d'être aveugle. Alors sur ceci, je vous souhaite tous bonne chance. Remercie-vous aussi beaucoup pour votre engagement que vous allez mettre et vous souhaite aussi une bonne inspiration parce que ceci serait pour nous très important et vraiment une base de réflexion pour aller plus loin. Merci beaucoup à vous tous. Merci vielmals, Herr Schneider. Merci beaucoup pour ces éclairages. Et pour passer au pôle éducation, j'aimerais maintenant donner la parole à Monsieur François Gray au nom de l'Université de Genève. Monsieur Gray, vous avez la parole. Très bien. Voilà. Donc, je me trouve pas très loin de vous, de l'autre côté de la rue au campus Biotech, un campus partagé de l'Université de Genève et de l'EPFL, qui, depuis quelques années, on fait un programme pour les SDGs, pour les Objectifs de Développement Durable, un programme d'éducation très large, avec une université, l'université de Tsinghua à Pékin, en l'occurrence, la meilleure université de Chine, et de plus en plus d'autres universités dans les pays du sud global. Nous voulions, c'était l'objectif original, vous accueillir tous ici aujourd'hui au campus Biotech. On voulait reproduire ce qu'on avait fait il y a une année, avec nos collègues d'Impact Hub, un événement qui était vraiment très sympa, beaucoup d'innovations ici au campus Biotech, donc le Climaton 2019. À l'époque, l'Université de Genève avait proposé un défi, un challenge sur la collaboration à distance, remote collaboration. Et on parle donc de novembre 2019. On ne pouvait pas savoir à ce moment-là à quel point ce sujet allait être pertinent pour nous, l'Université de Genève, mais pertinent pour tout le monde actuellement. Donc, le défi que nous reposons cette fois, en vue de tout ce qui s'est passé dans les mois
qui sont intervenus, c'est de repenser maintenant pas seulement la collaboration à distance, mais ce qui nous semble de plus en plus important, c'est la collaboration hybride, donc en partie en ligne, en partie en personne. Pourquoi ça ? Ben, moi, je me trouve maintenant dans ce qui s'appelle le SDG Solution Space, un espace de créativité pour nos étudiants à l'Université de Genève, mais pour la Genève internationale aussi. Donc, nous sommes au cœur de la Genève internationale au campus Biotech. Et nous pensons que nous pourrons continuer dès que les choses seront un peu plus calmes d'avoir des événements ici, mais ces événements n'ont pas toujours la dimension internationale qu'ils avaient avant. Et nous savons que nos partenaires dans les organisations internationales font aussi la même réflexion, comment travailler en local et en même temps globalement. Donc, le défi que nous posons aujourd'hui et pendant les prochaines 24 heures, c'est de réfléchir à des solutions qui permettent... But for the Zoom, I mean. Pardon? Pardon, continuez. Oui. Très bien. Et si je vous montre maintenant la salle SDG Solution Space, en fait notre cuisine avec une caméra 360 degrés, c'est parce que c'est un des éléments technologiques que nous avons utilisé l'année dernière pour inspirer des réflexions sur comment on pourrait créer des collaborations à distance plus immersives qui donneraient plus la sensation de travailler avec quelqu'un. Et pour vous donner un exemple, l'année dernière, une des équipes, en l'occurrence une équipe de l'Université de Genève, mais avec des collègues d'autres institutions de Genève, a développé une interface entre cette caméra et la réalité virtuelle, de façon à ce qu'avec deux caméras comme ça, dans deux labos à deux bouts du monde, on pourrait avoir une sorte d'immersivité où moi, je me sentirais être vraiment dans le labo d'un collègue et lui, vice-versa. Et nous avons même testé ça avec un labo partenaire à Shenzhen, le Silicon Valley de la Chine, au sud de la Chine. C'était un exemple. Un autre exemple, c'était donc de réfléchir à une version de Zoom qui serait plus ouverte et plus basée sur des technologies peer-to-peer. Et là, une petite entreprise ici, petite mais très dynamique, Yapsis, a travaillé sur ça, de nouveau avec d'autres collègues, et ce projet aussi continue d'évoluer. Zoom aujourd'hui, Zoom, il y a 12 mois, pas beaucoup de personnes dans la salle savaient ce que c'était. Aujourd'hui, on sait tous, ça change notre vie, mais il faut penser à l'avenir, exactement comme nos collègues à l'aéroport, il ne faut pas rester... sur ce qui marche, il faut penser à ce qui va marcher dans 2-3 ans, ce que les gens voudront. Donc, pour nous, l'objectif pendant les prochaines 24 heures, c'est de créer autant d'innovations, d'idées qui pourront aller plus loin qu'on a pu voir en 2019 lors du même événement qu'on a fait en personne. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de tester, c'est est-ce que la collaboration à distance peut marcher comme la collaboration en personne? C'est en fait une façon d'expérimenter très, très directe, puisqu'on a fait la même expérience en personne l'année dernière. On verra le résultat au bout de 24 heures. Mais juste pour dire, comme on dit en anglais, l'expression c'est « eat your own dog food ». On va essayer de voir si ce qu'on propose de faire marche dans la pratique à travers le hackathon lui-même, le climathon. Voilà, donc bienvenue virtuellement au SDG Solution Space à Campus Biotech et je vois avec beaucoup d'optimisme ces 24 heures et je me réjouis de voir les résultats qu'ils en sortiront. Merci. Beaucoup. We had different expertise and different challenges.
in terms of transport, in terms of education. But what about energy? What does it take? What are the challenges for the future? I have the pleasure and the privilege to welcome this morning as well Mr. Lukas Tochtermann, member from the Digital Innovation Office of the Federal Office for the Energy. Herr Tochtermann, guten Morgen und ich gebe jetzt Ihnen das Wort. Est-ce que je peux partager mon écran? By all means. Ok, mais ils disent que l'host doit le... Ah, voilà. Que l'host doit me donner la permission. We're about to do that. And maybe for okay, our English okay, speakers, bon. Would you like to do that in English? Yes, so I'll prefer to do it in English because we... not only have to take care of our environment, but also our ears. So, le français fédéral, ça va aussi. Le français fédéral. Okay, so. Do you see my screen already or not? Or just me? Not yet. Now we have it. Thank you. All right, perfect. So you see my screen, right? Yes, we do. Okay, perfect. Go ahead. So let's start. So what is our position, right, of the Swiss Federal Office of Energy? We support the open innovation movement, and we support the events such as the Climaton. And let's start here. So. Okay, what is the positioning? What has been done? So we have the Paris Agreement. We committed to net zero emissions by 2050, and we have committed to the Energy Strategy 2050, which includes increasing energy efficiency, and will increase the use of renewable energy. But this comes also with new challenges, mainly the increase of decentralized energy production, right? And there actually we need to know, or we need to have tools to manage these new, I mean, we're talking about a system that we're putting upside down. It's a system that has been designed decades ago, and we're making everything new, and digitalization is used to foster the transformation of the sector. We're decentralizing production. And so we need new tools, and for example, smart metering tools to measure in real time the electronic flows is such a tool. And why we want to support the open innovation is, of course, we could sit in our offices in Bern and think about and develop an innovation master plan. But first, that's not how innovation works, and we are not smart enough. So we need the involvement of motivated and the public who wants to facilitate change, right? We want the opinion of the broader population, and we need the crowd intelligence and the need of population and the public's opinion on topics of climate protection, on digitization, on innovation, which are important and lead to a broadly accepted and supported solutions, right? This is stuff that cannot be done top down. And so what you see here on this slide is actually a whole open innovation strategy. And the first step is are the open innovation events such as the Climaton in Geneva too, where the big ideas from the public are collected and are discussed. And can take then can be taken further to for developers or for technical people to develop Brickstone for the Energy Strategy 2050.
So the first step here is a really important step. So this step is where the big ideas, in our opinion, are created. And we absolutely want to promote that. And so I've talked quickly about decentralized, the second point, the increase of renewable energy, and coming with that, the increasing decentralized production. And this leads to our challenge. So we know there is detailed consumption patterns available, measured in the smart meter. So we talk about smart meter data. And we see there a huge potential for to raise awareness, to reduce CO2 footprint, to optimize energy consumption, and to promote renewable energies. And we want to know the opinion of the people. So what can be done with this data? So what is, if the people are interested in knowing the electricity consumption, right? We want to know if people have great ideas for the potential of this data, and the design, how this information should be accessible for the sake of climate change. And also we want to know if people if they want to share their data, and we want to know their thoughts about why sharing is beneficial, if there is any risk, if there is any concern. So this is basically what we're interested to. So I'm looking forward for the results. If you're interested in a energy sector, if you have great ideas, join our challenge. I wish you the best for the next couple of hours or even days. And thank you so much. Really looking forward. Thank you very much, Mr. Tortoman. Thank you to all our three panelists for their insights about the different challenges that we're going to face in not only the next couple of hours, but indeed in the next couple of days. We have been discussing about mindfulness. We have been discussing about how to inhabit this planet. And for the closing remarks, I have the privilege of introducing to you George Nuku, who is one of Aotearoa New Zealand's current leading contemporary Maori artists. Probably the only one of us who speaks plastic fluently, and his exhibition, Bouteille à la mer 2120, Te Ao Maori, at the Museum of Natural History here in Geneva, will be displayed until the end of June 2021. Through this exhibition, George reinterprets the reconnection to nature through the prism of Maori culture, and definitely offers a vision of the oceans in about 100 years. It's an invitation to think urgently about the issues of the accumulation of plastics in ecosystems, and in particular in the oceans. It is a collaboration with the Museum of Ethnography of Geneva, the Museum of Cultures in Basel, the Natural History Museum in Bern, and the Lake Geneva Museum in Nyon. Qui ahora, George? But first, for our viewers, I would like to show them a short video from Philippe Wagner, du Muséum d'Histoire Naturelle à Genève. Kia ora, George. How are you doing today?
our viewers were able to have a glimpse and an insight of the different exhibitions that you have been showing here. Any remarks, any insights about how to speak plastic fluently? Yes. Oh, I can talk to paint off the side of a house when it comes to this, but I'll be brief. Hello to everybody, all the participants. Bonjour. Tēnā koutou. As always, I greet our parents, heaven and earth, and the mountains and the seas and the lakes and the rivers and all the other sentinel beings that we share our world with, and to all the people also. And those who have passed away, to all our ancestors, all the dead people, and to us the living, I say tēnā koutou greetings. Yes, I've listened carefully to the speakers, and I'm sure all of us have had experience in these types of dialogues before, these types of meetings and conferences before, and how the approaches all come from the numerous amount of perspectives and angles and initiatives, and from the commercial through to the private and the government, and the social volunteer groups and all kinds of groups that are committing themselves to this whole idea of climate. And I commend all of you. I really do, sincerely. I recognize in everybody the commitment of dedicating time and energy and a piece of our lives towards solutions, which I when we talk about looking for solutions or finding solutions, I think it's also important to remember that solutions, like problems, we create. So solutions are a creative act. They are creative. We create solutions, just like we create problems. And in the case of talking about plastic, I tell you that I've been sculpting plastic for 30 years of my life, and in various forms. I come from a background of using so-called the traditional or natural materials, and I evolved my art practice into the new materials. And in the case of bottles and my shows that have been touring the world, Bottled Ocean, this has been going on now for the last 6 years, and it keeps me busy every part of the year. I want to talk about the plastic bottles in particular. I think they are the most beautiful thing. I really do. They are a magical thing. The plastic bottle is incredible. If I could share my feeling when I collect plastic bottles off the street or in the garbage or on the beach, it's like winning lottery. It's the feeling of winning a lottery or winning lotto, and you get to take this treasure in your hand and it was free. And it's a feeling like you are really winning for me. So, okay, that sounds crazy, yes, to all of you who think it's a big problem and the scourge of the planet, which it is, but let's kind of have a good look at this more from another angle. And I don't think it's working, eh? I really don't. I don't think the present mindset of how we approach issues of pollution and plastic, I do not think they are working as effectively as they could. Otherwise, we wouldn't be in this situation right now. We've been doing this since the 70s. We've been trying to tackle this since the 1970s. That's 50 years of this, eh? That's like two generations now, going on three generations. And always we are looking at it in an adversarial point of view, like it's a fight, like it's a war, like it's a battle. And it is all of those things, but I'm inviting everybody, please, to imagine that it could also be a loving relationship, a relationship where we've got a toxic member of our family that's causing problems and causing all kinds of disputes and tension within the family, and the last thing you need to do is punish that toxic member. That doesn't work. You have to get closer to that toxic member, because maybe they are being toxic
because of a whole sequence of things that they're not necessarily responsible for. Maybe these things happened before that they were even here. So the whole thing needs to be looked at like that. And I'm all about, we got to embrace this toxic member of our family. We got to get this toxic member of family. Monsters, or you deny monsters, you make them very dangerous. You really do. Absolutely. So this monster needs, we need to get close to this monster. We really do. One way, I mean, I go, hello, sir. I'm talking to you, Mr. CEO from the airport of Geneve. Hello, sir. I'm interested in airports very much because airports are places where we congregate, where there's lots of transit, lots of movement, a lot of human beings, a lot of people. I put it that that perhaps more priority or a bit more of a piece of this concerted action together could be handed to the creatives, to more overtly to the creatives, the creative operators in our societies. And what I mean by that is that it's a question of mathematics. You have so many creatives, so many artists, so many groups of people, so many schools, so many communities, etc., that these people can work directly with these communities, like I do, and create public artworks in every space imaginable where humans congregate. That's airports, train stations, libraries, universities, schools, streets, every imaginable public space. We could be given the opportunity more or the support more to create artworks from plastic, from the plastic bottles and all the other refuse that's around. It would give, there would be less stuff lying around then. There'd be less pollution on the streets. There would be the transition where the things that we consume in our home go directly into works of art made by the communities. And this way I feel that we would be forever reminded every day of we would have these beautiful, fantastic reminders of just how close we've come to the precipice. That would be like a... Thank you very much. Thank you, George. We are standing on the abyss. From the edge of the precipice, just one step. Absolutely. That is a absolutely. And if we... We will have the next 24 hours to address and tackle those different challenges. But it is true that today, amidst a challenging second wave, we more than ever measure the consequences of being separated from each other, not only physically, but sometimes also mentally, emotionally, spiritually. And definitely, as George mentioned, the greatest lessons that COVID-19 experience has taught humanity is that we are all in this together. So thus we can't keep operating like everything is the same. And now the butterfly effect has taken on new dimensions. The current crisis, be it real or perceived, could form the foundation of how we address the complex challenges ahead. Systemic thinking is no longer optional because impact doesn't happen in isolation. It requires collective action and catalyzes collective responsibility. So we will need to reskill, to reboot, to reimagine, but it is about time to go beyond those screens and try to start hacking what our different panelists have presented today. It is about time to end this live stream, so I would definitely encourage all our Zoom participants and hackers to connect in a couple of minutes to start addressing the different technicalities of the climathon. J'aimerais aujourd'hui remercier tous nos différents intervenants, toutes les personnes qui nous ont suivis en live sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, mais aussi sur Zoom aujourd'hui.
Vous pourrez toutes et tous vous reconnecter d'ici 13 heures pour l'ouverture nationale. Et ensuite, nous aurons les prochaines 24 heures avec un certain nombre d'activités autour de ce climaton. Merci à toutes et à tous. Thank you very much, each and every one of you, for this very inspiring and morning. I encourage you to think about climate change individually, but also collectively. We are all citizens inhabiting now this planet. Don't forget our hashtags, hashtag Climathon, hashtag Time for Change, hashtag Be the Change, and hashtag Climathon Geneva. Ladies and gentlemen, dear viewers, dear panelists, a warm thank you to all of you. I'm looking forward to seeing you again throughout the next 24 hours. From the Biotech Campus, thank you very much.